c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, l'égalité professionnelle? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous trouvez le monde égal, filles, garçons? Pas du tout. Alors, pourquoi? Qui a dit pas du tout? Moi. Mais déjà, par les salaires, déjà. Parce que quand on apprend qu'il y a des femmes qui sont moins payées, alors que le gouvernement dit oui, égalité, 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 sauf qu'il n'y a rien qui a changé depuis longtemps. Donc je pense que ouais, en 2018, il faudrait que ça change. D'accord. Toi? Oui, parce que notre slogan de la France, c'est égalité, fraternité. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout égaux, donc c'est un peu dommage. Et donc, qui est privilégié? Les hommes. Les hommes? Toi, tu t'en rends compte dans ton quotidien? Oui. Comment? Partout, en fait, parce que là, par exemple, au lycée, on nous donne, on voit dans les classes, des fois c'est plus de garçons dans certaines classes comme littéraires, comme ça. Et dans le travail, le salaire et. D'accord. Et dans la cour de récréation, comment ça. Enfin, de récréation. Dans la cour, bon, qui est-ce qui veut parler? Toi? Dans la cour, comment ça se passe? Les filles sont avec les garçons ou c'est surtout les filles entre elles? Non, je trouve que dans ce lycée, c'est assez diversifié. Mais après, évidemment, qu'il y a toujours. Le truc du il y a certaines filles qui préfèrent rester avec les filles ou certains garçons qui préfèrent rester avec les garçons. D'accord. Toi aussi, tu trouves que le monde est assez inégalitaire, garçon-fille ou pas encore? Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré au fil du temps, mais sinon, il manque encore des choses. Comme quoi? Comme déjà l'égalité des salaires qui est le plus important, évidemment. Et certains travaux que certaines femmes ne peuvent pas faire et que certains hommes peuvent faire, etc. Bon. Quel est votre slogan ici, alors, aujourd'hui? Si vous pouvez me le... Comment? L'égalité des sexes. Vous pouvez me le dire plus fort? Ouais, l'égalité, en fait, des sexes. Ouais. Que ce soit réparti, enfin, également entre les deux. Ouais. Que là n'a pas qui sont favorisés sur l'un que sur l'autre. Et à la maison, les parents, ils sont égaux entre filles et garçons ou pas? Toi, oui. Toi? On va dire que ça dépend. Ça dépend pourquoi? Tu fais plus de tâches ménagères, par exemple, que tes frères? Non, ma mère fait plus le ménage que mon père. Mais après, mon père, il a des problèmes physiques de dos, donc il ne peut pas forcément faire certaines choses. Mais c'est vrai qu'à certains moments, pour faire le ménage, il va nous appeler pour le faire parce qu'il n'a pas envie de le faire. Il a la flemme, mais bon. Voilà.